Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui vous présente l'interface DEO Browser, un visualiseur d'images satellitales en ligne développé par Sentinel Hub. Vous pouvez facilement retrouver DEO Browser en tapant le nom dans un moteur de recherche. Donc vous arrivez sur le site de Sentinel Hub et en cliquant sur Start Exploring, vous allez pouvoir commencer à explorer. L'outil propose tout de suite un tutoriel que nous n'allons pas regarder ici, mais que vous retrouverez par la suite au niveau du petit i en haut à droite. Vous pouvez sélectionner la langue dans le volet de gauche. Ici, j'ai déjà choisi le français, mais vous avez toutes ces possibilités-là qui vous sont offertes. Vous pouvez voir ici qu'il est possible de vous créer un compte qui vous donnera accès à plus de fonctionnalités. Mais commençons par explorer l'interface hors connexion. Le visualiseur présente par défaut un fond de carte géographique. La zone de recherche vous permet de trouver un lieu et de vous y rendre. Donc je peux taper une ville, je peux taper un pays, etc. Donc je vais choisir la France. On me propose un certain nombre de possibilités. Je prends juste la France. Et j'arrive sur une vision globale, donc, de notre pays. Vous pouvez ajouter quelques couches d'informations. En vous rendant par ici, vous pouvez modifier la visualisation. Vous pouvez aussi rajouter des frontières, vous pouvez ajouter des routes, par exemple. L'interface propose un mode éducation, qui peut être intéressant pour trouver rapidement des images thématiques. Le i vous fournit des informations sur le visualiseur, notamment les sources des images, et vous donne accès au tutoriel. Intéressons-nous maintenant au volet dépliable sur la gauche. Vous pouvez le replier et le déplier comme ceci. Dans le mode normal, il comporte 4 onglets, dont un seul est actif pour l'instant. L'onglet « Découvrir » permet ainsi de rechercher les images de l'endroit sélectionné. Une liste de satellites est proposée, chacun associé à un descriptif. Vous pouvez réduire cette liste en passant par la liste de thématiques, ici. Si vous choisissez le thème « Agriculture » par exemple, vous aurez uniquement Sentinel-2 qui va vous être proposé. Je vais revenir par défaut. Un second onglet, ici, vous propose des données commerciales, payantes donc. En mode éducation, ce volet n'apparaît pas. Le troisième onglet, mis en avant, propose une sélection d'images par thème. Pour cela, il faut d'abord choisir un thème, donc par exemple surveiller la Terre depuis l'espace, et vous avez donc quelques images qui sont proposées, notamment parce qu'elles sont belles généralement, et parce qu'elles ont un intérêt par rapport à la surveillance de la Terre depuis l'espace. Donc par exemple, on va aller charger l'image ici d'un glacier au Chili. Une fois une image chargée, vous pouvez la travailler en exploitant les différents filtres proposés. Chacun comporte un descriptif détaillé. Par exemple, je peux choisir une composition en fausse couleur, et si je veux un petit peu plus comprendre de quoi il s'agit, j'ai ici un descriptif dans la langue que j'ai choisie, donc ici en français. Je peux aussi aller choisir une composition qui va me montrer l'indice d'humidité, et comme là j'ai pas mal de couleurs que j'ai peut-être du mal à interpréter, on voit que dans le descriptif, j'ai aussi une échelle qui va me permettre d'interpréter les différentes couleurs. Alors on peut voir aussi que désormais je vais pouvoir accéder en fait à deux autres onglets. Alors pour l'instant j'ai pas mis d'image à l'intérieur, mais ces onglets vont me permettre donc de comparer des différentes images que je vais choisir ou de sauvegarder des images qui me semblent intéressantes. Mais nous en reparlerons dans d'autres tutoriels. Sur la droite, une série d'outils est à votre disposition. Certains sont tout de suite disponibles. Ces deux outils-là par exemple ne seront disponibles que si vous êtes connecté, ce qui signifie que vous avez préalablement créé votre compte. Donc cette série d'outils, en version donc non connectée, vous avez dessiné un polygone et obtenir une mesure de surface, marquer un point d'intérêt, télécharger l'image, visualiser la zone en 3D, et donc la création d'un histogramme, ici lié au choix d'un indice, qui est ici l'indice d'humidité. Si vous êtes connecté à votre compte, vous aurez en plus accès à deux outils intéressants, celui-ci qui est la mesure de distance et de surface, et la création d'un timelapse. Voilà pour ce premier tour d'horizon rapide de l'interface. Les prochains tutoriels s'attacheront chacun à une fonctionnalité DEO Browser.